Les amis, aujourd'hui on va unbox un casque, mais c'est le casque le plus commandé d'Amazon, c'est celui-ci. Voilà, il est juste là. Bon, ok, j'ai fait des petites découpes pour voir ce que c'était, parce que évidemment j'en ai reçu deux, du coup je savais pas lequel c'était. Donc m'en voulez pas trop s'il y a du scotch dégueulasse. Mais en tout cas aujourd'hui on va unbox le casque le plus commandé d'Amazon. Alors voilà, actuellement il est à 30€ sur Amazon. On va l'unbox, on va voir ce que ça donne. Et je vais être totalement honnête, mais pour son prix les gars, enfin franchement c'est vraiment pas cher, 29€. On va bien voir ce que ça donne. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous passez un agréable déconfinement. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça ferait vraiment plaisir les gars si vous vous abonniez tous. Et puis voilà, sinon il y a mes réseaux sociaux. Et à chaque like, j'offre une paire de chaussettes Nike à tous ceux qui ont liké. Donc franchement, moi j'hésiterai pas. Moi je me fais chier là, ça fait 10 minutes à te regarder faire ça alors que t'as autre chose à foutre. On ira bien évidemment tester le casque sur différents jeux, enfin non pas sur différents jeux, que sur Minecraft, voir un petit peu le son et peut-être pourquoi pas écouter des vidéos en 16D etc, enfin des trucs comme ça de ouf. Donc c'est parti, on s'installe sur ma chaise, donc on y va et puis voilà, je vous lance une chaussette à la gueule pour commencer ça. C'est pas très convivial, enfin comme accueil on fait mieux quand même hein. Donc on se retrouve pour unbox le casque, c'est parti. On a actuellement un petit problème dans le décor, vous voyez bien que là c'est dégueulasse. J'ai une solution à ça. Voilà, ça a l'air d'être mieux. Franchement je suis fier. Bon alors voilà, on va unbox ce joli casque. Je sais pas si je suis bien dans le cadre, j'ai essayé de faire au mieux. Parce que à savoir qu'il faut qu'il y ait la lumière m'éclaire bien, que la fenêtre m'éclaire pas trop, et que le micro soit en face de ma bouche pour pouvoir que vous entendiez bien ce que je vous dis et que vous me voyez bien. Bref, on prend le colis, donc c'est parti. On va l'ouvrir dans ce sens là parce que je l'ai déjà ouvert en dessous. Donc voilà, mais je sais à peu près comment il est. Donc c'est parti, on prend le magnifique couteau. Et du coup bah c'est parti. On va éviter de se couper, ne refaites pas ça chez vous. Donc c'est parti. Putain, je voulais faire un truc stylé au montage là. Ok. Alors déjà, on a le petit papier de protection Amazon classique qui protège papa. Il y a une bête. Qu'est-ce que tu fais là mec? Il y a une bête. Envole-toi. À s'envoler. Vous inquiétez pas, c'était pas un cafard ou quoi hein, c'était juste une petite bête qui a dû s'incruster en bas. Enfin j'espère. Allez c'est parti. Donc le casque qui est assez petit quand même, on va pas se mentir, ça fait petit. Mais voilà, ça reste très quali. Du brillant ici, on a le design du casque un petit peu partout. Voilà, une description assez clean. Là on peut voir des petits avantages. Ok, donc là on a à peu près tous les avantages du casque, à savoir qu'il coûte 30 balles actuellement en réduction sur Amazon, ce qui est réellement pas cher pour un casque les gars. Même des écouteurs ça coûte plus cher, donc c'est pour vous dire. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour le rapport qualité prix. Hop, on l'ouvre et là du coup on a déjà, ah ouais ok, ça c'est beau. Ok, hop, donc on a ça sans le neuf hein. Donc ça poubelle. Encore ça tu vois là, poubelle. Ok, donc on a du fil ici, un petit prospectus et du coup bah aussi la petite notice. Donc ça c'est vraiment cool. Ils ont mis le paquet sur bah, le packaging tout simplement. Ça rime en plus. Le sac avec le logo de leur marque. Franchement ça c'est super stylé. C'est un truc à faire si vous avez une marque. Du coup les fils, donc jack et je sais plus quoi. Il y a un autre truc énorme en jack qui se branche au casque à mon avis. Donc c'est parti, on ouvre et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est parti les amis. Ok, donc ça on va le mettre là. Et là on peut voir déjà que attendez. Pourquoi ah oui, non mais j'allais dire, le casque s'il est comme ça, t'es pas prêt de jouer hein. Ok, donc il est léger. Il est léger, ça c'est un truc à souligner. Il est léger, donc le tour c'est du plastique. C'est quand même bien designé. Je regarde un petit peu les finitions parce que pour 30 balles quand même les gars, faut quand même se dire que bah voilà, pour 30 balles habituellement vous avez vraiment un truc bah un peu cassé. Et je regarde les finitions, bah ça a l'air d'aller honnêtement. Et je vais regarder, en vrai je vais être vraiment minutieux. Ok, donc on peut le desserrer jusqu'à là pour l'ajuster, là c'est en ferraille, c'est cool. Les fils, honnêtement je sais pas si je vais kiffer en rouge. J'aurais bien vu ça en noir parce que j'aime bien les casques discrets en vrai. Donc on a un fil comme ça qui se branche ici, voilà, comme j'avais prévu. Et un autre fil qui se branche de l'autre côté. Alors d'après ce que je vois, vous avez deux options. Soit vous utilisez le fil rouge qui est assez grand, ou soit vous utilisez ce fil un peu plus discret avec ici bah, quelque chose pour le régler directement sur la prise jack. En l'occurrence, on va peut-être prendre le fil noir. On va essayer quelque chose de plus discret. Ok, donc là, il n'y a pas grand fil, mais c'est parce que c'est l'option la plus discrète, on va dire. Si vous voulez le brancher juste à côté, genre vous avez, bah en fait, vous pouvez pas très bien voir, mais vous avez quand même pas mal de trucs pour un câble adapté à juste à côté de vous, en fait. Ok, évidemment, faut bien le régler, sinon il sera pas à votre taille. Ça englobe pas totalement les oreilles, on peut entendre ce qu'il y a à côté. C'est pas comme le Razor Kraken, mais le Razor Kraken, il est énorme, les gars. Vraiment, genre, c'est fou, vraiment, il est trop gros, en vrai.
C'est pour ça d'ailleurs que je suis passé sur écouteur, parce qu'à savoir que le Razer Kraken, il est tellement gros que ça vous fait des trucs dégueulasses dans les cheveux. Ok, mais ça réduit quand même pas mal le bruit autour parce que je m'entends à peine parler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester sur mon PC, je vais l'installer et puis on va voir ce que ça donne les amis. Donc c'est parti. Ok, on se retrouve pour setup tout ça. Donc j'ai pris les deux fils au cas où que ça aille pas. Donc c'est parti, on commence avec le plus discret. Tac. Droite, gauche, c'est parti. Ce qui est bien aussi, c'est la petite rotation. En fait, ça permet de bien s'adapter à votre crâne, à votre gros cauchy. Non, mais en vrai, c'est ça en fait. Ça s'adapte à votre tête et c'est assez cool. Ok, donc maintenant, vu que je m'aime, je vais regarder ma vidéo juste un petit peu pour voir le son. Déjà, on commence à avoir une pub. Bon, allez, c'est parti. Ok, en vrai, le son est clean. Le son est pur les gars. Après les basses sont pas accentuées, donc ça c'est bah, c'était sûr en fait. Mais le son est pur quand même. Le son est quand même pur par rapport à ce que j'ai déjà vu par exemple sur des casques vraiment pas chers et vraiment nuls. Et là en l'occurrence le son n'est pas totalement déformé. Après c'est sûr qu'il faut s'adapter, parce que mon ancien casque englobait toute l'oreille, alors que là pas totalement, mais c'est pas non plus rikiki. Genre en vrai ça va quand même, faut pas être dumbo quoi. Ok, il est vraiment léger, il s'adapte bien. Parce qu'en fait genre je fais ça les gars, parce que mon ancien casque là il est pété. Et du coup pour le remettre sur ma tête en fait je fais ça genre. Enfin bref voilà, me jugez pas s'il vous plaît. Après je sais pas ce que ça donne visuellement sur ma tête. Ça se trouve j'ai une sale tête. Mais en vrai après ça dépend des goûts de chacun, parce que peut-être que ça vous aimez pas trop. Moi je kiffe plus quand c'est un truc vraiment encore plus sobre. Genre même couleur que ça. Il est assez bon, je vais éviter de le casser, mais on peut voir que bah il s'étend bien quand même. Parce que ce serait con de le péter quand je dis ça. Donc c'est parti, on va faire un petit fight. Après le casque va pas réellement nous aider dans par exemple ce mode de jeu, mais honnêtement bah on pourra entendre le son. Ok donc c'est parti. Je me fais déchirer hein. Ah! Mais il tape loin non? Ah! Bon bien évidemment il n'y a pas de la 7.1, ça c'est clair et net pour 30 balles. Non mais wesh! C'est quoi? C'est la mode de cheater maintenant? Mais quoi? Quoi? Yes! Aise! On va écouter une petite musique en 8D ou une connerie comme ça pour voir ce que ça donne, même s'il n'y a pas de la 7.1. Ok, on va écouter une musique, no copyright bien sûr, parce que sinon bah je vais jamais manger. Ok, en écoutant cette musique les gars, j'ai l'impression que ça va, en fait si vous voulez, sur mon casque pro et tout, genre on dirait que la musique tourne autour de moi, vraiment. Et là du coup ça fait ça, ça fait genre la musique elle est là et ça passe là derrière, mais genre sans vraiment faire un 3-6. Bref, après avoir écouté cette musique, honnêtement bah je suis assez conquis, parce que vraiment une musique en 8D, faut vraiment normalement un bon matériel. Bien sûr je tiens à clarifier, il n'y a pas de 7.1 sur le casque, ça c'est une évidence. Genre j'ai même pas regardé la fiche caractéristique, mais c'est une évidence les gars pour 30 balles. Et on va faire un petit point sur le confort du casque, est-ce que ça a été confortable ou pas. Alors le casque tient bien en place, ce que je veux dire par là c'est qu'il bougera pas trop, il restera bien. Réglez-le bien si vous voulez pas que ça vous serre trop la tête. Honnêtement c'est ce que j'ai fait et du coup bah ça allait. Mais ça sert quand même pas mal, genre ça met bien en place. Je pense que le seul défaut que j'ai à l'attribuer pour son prix, c'est les matériaux là qui sont vraiment super légers. Peut-être que c'est un avantage, un désavantage. Ça reste esthétique, mais ça reste vraiment bah pas si résistant que ça comparé à un casque en ferraille. Enfin en ferraille, vous avez compris, genre je suis pas un chevalier mais voilà. Dans tous les cas les gars, le lien se trouve en description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.